Et bonjour à tous les amis, c'est Spramanco, on se retrouve aujourd'hui pour un combat qui, je dois vous l'avouer, risque bien de se conclure par une défaite. Alors c'est pas dit que je vous dise non, je vous montre tous les combats contre les Sadidas parce que ça risque de vous faire un peu chier de me voir perdre à chaque fois. Alors c'est pas facile de gagner contre les Sadidas, c'est pas facile. Il y a des chances, hein, je veux dire avec le stuff Grand-Duc, il y a tout à fait des chances de le faire. D'ailleurs j'ai pas mis de bouclier, je suis un peu con, hein, j'ai mis un super bouclier qui ne fait rien. Voilà, il fait rien, donc ça aide pas. Ça c'est Esprit Mia, il oublie les trucs importants. Mais bon, on va faire avec. Il se place exactement à une case chiante. Ah oui, hein. Comme on dit. Portail 1, portail 2. Bon, bah, je vais commencer directement à les taper un peu. Il a 34%, il n'a pas non plus de bouclier. C'est étrange d'ailleurs. Voilà, donc du coup j'envoie directement, je tape une fois. Ça met pas énormément, j'ai quand même le nébuleux ici, le nébuleux qui passe bien. J'aurais bien voulu faire un tour avec double brimade. Mais il m'avait envoyé des ronces multiples. Non, c'est pas ça. Herbes folles, des herbes folles, voilà. Là, la folle, elle devrait bien faire chier sur du 38 d'esquive. Ici, je regrette franchement de ne pas avoir mis mon bouclier du chouk, sauf dans mon Phtalmo qui aurait mis quand même quelques résistances en plus, qui m'aurait peut-être permis de gagner ce combat, je sais pas, j'ai pas encore fini, mais on va voir. Là, je vais avoir une bonne redirection. Plutôt sympathique et tout et tout. Sauf erreur, ouais, elle passe bien. Ici j'ai un peu merdé, voyez-vous, la redirection était bidirectionnelle, c'est-à-dire que il pouvait me taper à travers. Donc j'aurais dû faire deux brimades plutôt. Bon là en plus ça a quand même mis pas mal de dégâts sur un tour du mauvais nébuleux, hein, du 931 à la raillerie. On va pas se plaindre sur du 931. Alors lui non plus il va pas se plaindre avec les dégâts qu'il me met. À la ronce apaisante par contre il va peut-être se plaindre. Celle-là on s'y attendait tous. Celle-là aussi. Ah, qu'est-ce que je te hais. Qu'est-ce que je te hais, Sadie. Impie. Ah, du coup j'envoie directement des soins, là je vois que je suis à HLO quand même au niveau point de vie parce que je veux pas dire mais ce Sadie franchement il a des très très bons dégâts. Vous voyez les ronces qu'il me met, bon c'est clair que j'ai pas de résistance mais quand même il a des bons dégâts. Là, je crois que les Sadies ont quand même tendance à frapper un peu moins, celui-là il frappe bien. J'ai pas pu bien le taper parce que j'ai un peu fait, j'aurais dû faire un marteau de moon. Un marteau de moon je pense que ça aurait passé beaucoup mieux ou deux brimades, voilà le Groot qui va les soigner. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il va nous faire comme merde? Au moins j'ai pas perdu de PM encore. On va tenter un truc, je sais pas, là je joue un peu sans vraiment avoir le temps de calculer mes mouvements, c'est pour ça des fois que je préfère Crossmaster, parce que là au moins dans Crossmaster on a le temps de calculer tout ce qu'on veut faire sans plus de problèmes. Encore une fois bidirectionnel, donc je dois le refermer, c'est un peu la merde. Moi j'aurais pu le taper, mais à chaque fois je tape sur des tours pairs, ça fait chier parce que j'ai un nébuleux. Et un nébuleux sur des tours pairs, bah c'est franchement nul, ça fait moins 10%, je n'ai vraiment pas profité. Du coup là je suis mal dans le combat, il commence à avoir des poupées un peu partout. Moi je n'ai rien mis parce qu'il s'est tout soigné, lui il m'a bien mis parce que c'est un sadi, et que les sadis c'est un poison, voilà. C'est horrible, c'est juste affreux.
Alors, qu'est-ce qu'il met? Un arbre devant lui, je suppose. Non, il cherchait la ligne. Il y a un arbre devant lui. On l'attendait tous, il est arrivé, le voici chez l'arbre devant lui. Hé, la folle, putain, la folle. Qu'est-ce qu'elle me fait chier, la folle. Alors, sens des aiguilles d'une montre. Et bim. Voilà, quelques petits dégâts. Ça me remet un peu dans la game. Lui, il va se remettre avec un Groot et une gonflable. Il va comprendre qu'il est tout à fait dans la game. Ah mon dieu. Ah, je les ai. Je les ai tellement. Ah, c'est ça dit. Je vais peut-être jouer plutôt au Chook. Ah, je pense que je vais plutôt jouer au Chook à l'avenir. C'est un bon bouclier anti, ça dit. Et là, il essaye de trouver la ligne, mais il n'y a pas de ligne. Non, non, une deuxième folle. Bah, c'est pas utile de folle. Moi, je préférais une gonflable à ta place. Alors, ça, c'est pas très utile non plus. C'est un portail 2. Puis, il y a celui-là qui me redirige très bien. Donc, je vais le garder. Perso, ça me va. Il va se mettre devant. Le classique. Et tout, et tout. Pouf, 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 pouf. Dans la merde. Ouais, j'ai eu le temps de le taper. C'était limite. J'arrivais pas à trouver la redirection. Vraiment, des fois, c'est pas facile de trouver la redirection lorsqu'on est dans le combat. C'est clair qu'ensuite, les personnes qui regardent, ils disent, mais du con, il y avait la redirection. Je suis le premier à dire ça lorsque je vois d'autres youtubeurs, mais cependant, c'est pas aussi facile que ça, malheureusement. Et lui me nique bien ma rage avec ce putain d'invocation de sadie, de pourriture, de communiste. Voilà, et puis la gonflable, elle est où? On rigole? Elle est où? Hein? Ah non, elle est pas là. Elle est pas là. Je pensais qu'elle était là. fail de l'alarme. Énorme. Ça, j'ai adoré. Faudrait qu'il le refasse plus souvent. Ouais, qu'il le refasse simplement déjà. Pas mal, plutôt que de le refaire plus souvent. S'il le refaisait déjà, ça m'irait. Il y a 3. Je m'éloigne là, je pose un portail. Oh, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Putain, j'ai gagné. J'avais pas vu que j'avais gagné. J'ai gagné ce combat. Bref, alors là, franchement, je dois vous avouer que même si je l'aurais perdu déjà, j'aurais mis. Mais je pensais pas le gagner, j'ai pas vu les points de vie qu'il avait. Alors, à mon avis, c'est. Voilà, ben. J'ai eu de la chance sur le CC également. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve demain pour un quatrième combat. Vraiment, celui-là, je pensais pas du tout le gagner. N'hésitez pas à commenter, etc. C'était Esprit Méhanko.